an. Un an aujourd'hui même. Le 5 mai, le jour de ta fête, Irina. Je m'en souviens, il faisait très froid ce jour-là. Il neigeait. Je croyais que je n'y survivrais pas. Tu étais allongée, évanouie, comme morte. Voilà un an de passé, et tout cela, nous nous en souvenons si légèrement. Tu es déjà en robe blanche, ton visage resplendit. La pendule sonnait aussi ce jour-là. Je me souviens, pendant qu'il portait père, la musique jouait. On a tiré une salle du cimetière. Il était général, commandant de brigade. Il n'y avait pas grand monde pourtant. Lui aussi, il pleuvait ce jour-là. Une pluie violente et de la neige. Oh, mais à quoi bon se souvenir? À présent, aujourd'hui il fait doux. On peut laisser les fenêtres grandes ouvertes, mais les boulots n'ont pas encore de feuilles. Père a reçu une brigade il y a 11 ans. Il a quitté Moscou avec nous. Je m'en souviens, à cette époque de l'année, à Moscou, tout est déjà en fleurs et tiède, inondé de soleil. C'était il y a 11 ans. Et je revois tout là-bas, comme si c'était hier que nous étions partis. Ah, oh, mon Dieu, je me suis réveillée ce matin. J'ai vu cette masse de lumière. J'ai vu le printemps. La joie s'est mise à remuer au fond de mon âme. Et avec passion, j'ai voulu retrouver notre patrie. Ah, hey, compte là-dessus. Mais oui, du vent. Arrête de siffler, Macha. Comment peux-tu? Parce que moi, je vais au lycée tous les jours. Après ça, je donne des leçons jusqu'au soir et j'ai tout le temps mal à la tête. C'est vrai. Depuis 4 ans que je vais au lycée, j'ai l'impression d'avoir déjà vieilli. C'est comme si mes forces et ma jeunesse m'échappaient tout à coup. Il n'y a qu'un seul rêve qui grandit, qui arrive. Partir à Moscou. Oui. Oh, vendre la maison, en finir avec tout ici et à Moscou. Ah oh oui, vite, vite, à Moscou. Notre frère, sans doute, il sera professeur. De toute façon, il ne restera pas plus ici. Tu n'avais plus mon mari. Oh, le déjeuner qui ne voulait plus être aussi en fait. Mes hommages, Verchinin. Très, très heureux de me trouver enfin chez vous. Mais comme vous voilà maintenant... Oh là là, oh là, là. Prenez place, je vous en prie, c'est comme un grand plaisir pour nous. Comme je suis heureux, mais vous êtes 3 sœurs, n'est-ce pas? Je me souviens, 3 petites filles. Ah, je ne me souviens pas vraiment de vos visages. Et que votre père, le colonel Prozorov, avait 3 petites filles, ça je m'en souviens parfaitement. Je vous ai vu de mes yeux, vu. Comme le temps passe, hein, là, comme le temps passe. Alexandre Ignatievitch est de Moscou. De Moscou? Oui. De Moscou. De Moscou. Feu, votre père y était commandant de batterie, j'étais officier dans la même brigade. Votre visage à vous, je crois que je m'en souviens un peu. Moi, pas du tout. Figure-toi, le lieutenant-colonel Verchinin est de Moscou. Vous devez être Olga Sergeyevna, l'aînée, vous Marga, et vous la Benjamin Irina. Vous êtes de Moscou? Oui, de Moscou. J'ai fait mes études à Moscou, j'ai commencé ma carrière à Moscou, j'y suis resté longtemps en poste. Et je viens de recevoir une batterie dans cette ville, me voilà transféré, vous voyez. C'est le savant de la famille, et il joue aussi du violon. Il faut voir ce qu'il n'oublie pas, il a des doigts en or. André, mais viens donc à la fin. Il s'en va toujours, c'est un genre qui se donne. Allez, viens! Oh, ce qu'il est drôle! À l'époque, Alexandre Ignatievitch, on l'appelait le major à gros, et ça ne le fâchait pas du tout. Pas du tout. Eh bien, moi, j'ai envie de t'appeler le violoniste amoureux. Ou le professeur amoureux. Il est amoureux, il est amoureux, il est amoureux, il est amoureux.
tant que je serai là. J'ai l'intention de traduire un livre de l'anglais. Vous lisez l'anglais? Oui, avec père, paix son âme. C'était la tyrannie de l'instruction. C'est bête et ridicule, mais il faut bien l'avouer. Depuis que père est mort, je me suis mis à maigrir. Regardez comme j'ai maigri en allemand. À la vôtre, colonel. Je suis enseignant ici aussi, oh. Je me sens chez moi. Le mari Macha. Très gentil. Eh bien, je vais boire de cette vodka sombre. À la vôtre. Je me sens si bien chez vous. Oh, Macha est mauvaise humeur aujourd'hui. Elle s'est mariée à 18 ans. Elle le prenait pour l'homme le plus intelligent du monde. Ah, et elle a rougi. Je me demande bien pourquoi. Ah vie dans la tête, du froid. Thank you.
n'avait plus les chefs et de nouveau j'ai eu envie de travailler, de travailler. Seulement, il s'est passé quelque chose hier. Une sorte de mystère sur ma tête. La directrice! La directrice est arrivée, allons-y. On oubliera nos voix, nos visages, ces couleurs.